ce soir, Gérard Miller, Claude Sarraute, Isabelle Alonso, Stevie Boulet, Ferry Cochard et Arnaud Gidois. Quelle ambiance! Je ne sais pas si c'est votre tenue flashy, ma chère Isabelle Alonso, qui réveille tout le monde. C'est vrai que ça fait mal aux yeux, là. Moi, je dis, la discrétion, c'est le secret de l'élégance. Ah oui, ça, alors là, c'est réussi. Vous avez fait le grenier de Roselyne Bachelot, il y a quelque chose. Quant à Gérard Miller, on voit que vous connaissez des fins de Mao difficiles. C'est par solidarité avec l'Asie, victime de la pneumopathie, que j'ai ressorti. Mais t'as vu, il pourra être embauché chez Ardisson, il pourra dire « Magneto, Serge ». Quant à Ferry Cochard, avec Michon, vous l'avez? Juste à la maison. Pardon, Ferry. Moi, j'ose pas trop regarder parce qu'après, les gens m'écrivent. C'est bien, vous avez les deux modèles, là. Vous avez... Oui. Quoi? Allez-y. On le sait depuis longtemps, Gérard ne sait plus à quel sens vouer. Bon, voilà, je crois qu'il y a une bonne ambiance aujourd'hui, oui. Stevie. Ouais. Vos gueules maintenant. Alors, qu'est-ce qui fait quoi ce dessin? Je sais pas, je peux pas regarder. C'est un personnage. Des poils de son chien. Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être ça. Il est où d'ailleurs? Il est là, juste à côté. Arlette! Ma loge est juste à côté de celle de Stevie et je t'entends hurler, tu parles à ton chien comme à un débile. Bouillou, 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 bouillou. Allez, je crois qu'il est temps d'être parti pisser. Il est temps de passer à la photo du jour. Je devrais dire les photos du jour, puisque ce sont celles de Jacques Chirac et de George Bush, qui, vous le savez, se sont enfin téléphonés après 2 mois de brouille. Enfin... C'est surtout le président Chirac hein, qui, je crois, a appelé George Bush. Et encore, Bush a accepté parce que Chirac s'est fait passer pour Alain Madelin. La conversation a duré, paraît-il, 20 minutes et elle a été positive, selon l'Élysée. Professionnelle, selon la Maison-Blanche. En gros, ça veut dire que Bush a été obligé de décrocher parce qu'il avait oublié de mettre le répondeur. La conversation a tourné court, surtout quand, pour mettre mal à l'aise notre président, Bush lui a balancé « C'est marrant que vous ayez encore votre portable. Je croyais qu'il y avait des fouilles maintenant dans les prisons. » Ah, j'aurais voulu être une petite souris pour savoir ce qu'ils se sont dit, Bush et Chirac. Vous savez que d'habitude, la Maison-Blanche ne dit jamais, lorsqu'il y a un coup de fil entre chefs d'État, qui a appelé qui. Et là, ils ont absolument tenu à préciser que c'était Chirac qui avait appelé Bush. C'est mesquin. Ils n'ont pas dit que c'était en PCV. Hein. Non. Autre photo, tout de suite, publiée par Charlie Hebdo, celle de la statue de Saddam Hussein, déboulonnée par les Américains à Bagdad. Et regardez en dessous l'affiche du spectacle de Michael Youn, avec ce commentaire de Charlie Hebdo, « Voleur, les Américains copient l'exception culturelle française. » C'est vrai que... Autre photo, celle de Loïc Le Floch-Prigent, ex-PDG d'Elf, qui hier, devant le tribunal, a révélé avoir été couvert par François Mitterrand pour payer le financement de son divorce grâce à l'argent détourné. La compagnie pétrolière aurait ainsi payé le prix du silence de l'ex-madame Le Floch-Prigent. C'est écœurant. Moi, je crois que je vais acheter une voiture électrique. Rien qu'à l'idée qu'à chaque fois que je fais le plein chez Elf, bah, c'est moi qui paye la pension alimentaire, finalement. Gérard. Le Floch-Prigent se défend comme il peut. Je trouve ça absolument dégueulasse de faire parler les morts. Et en plus, quand on lit le texte dans les journaux, il semble qu'il ait dit à un moment donné à Mitterrand « Je veux divorcer et je vais donc quitter mes fonctions parce qu'il risque d'y avoir des histoires. » Mitterrand lui a dit « Non, ne quittez pas vos fonctions. » Mais comment tu oses ? C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a dit à Mitterrand « je vais divorcer. Ma femme va tout lâcher sur votre fils et la cellule africaine élyséenne. » Et c'est là que Mitterrand lui a dit... Et dans le même temps, le président a demandé « Qu'est-ce que votre femme savait de tout ça ?» Il a dit quasiment rien. Donc je trouve que c'est absolument scandaleux de mettre ça sur le dos... Viens, Arlet. Je crois qu'on va se faire chier. Arlet, viens. Arlet, viens, viens. Viens, voilà. Il y a un moment, il faut couper court. Il n'y a que les animaux pour nous réconcilier dans ces cas-là, hein.
Mais il a pris le goût à la caméra, t'as remarqué? Il va direct vers le... Plus vite que Stevie encore. Autre photo, celle de Roselyne Bachelot, à qui on a remis hier un projet de charte sur l'environnement. Regardez. Ce qui est bien avec Madame Bachelot, c'est que même avec des lunettes noires, on la reconnaît. C'est d'ailleurs dommage qu'on ne voit pas les pieds sur cette photo, parce qu'avec un tailleur saumon et des verres fumés, on espère qu'elle avait pensé à mettre des chaussures citron. Encore un ministre en photo, Luc Ferry maintenant, le ministre de l'Éducation nationale, qui en décidant d'envoyer son nouveau livre « Lettres à tous ceux qui aiment l'école » aux 800 000 enseignants, 800 000 professeurs et instituteurs de France, eh ben, finalement a créé une polémique. Il est accusé par certains de dilapider l'argent des contribuables. Il faut dire que le livre est envoyé aux écoles maternelles, mais sans les crayons de couleur, et que le poster détachable de Madame Ferry au milieu du bouquin, c'était peut-être pas utile non plus. Claude, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je trouve ça non seulement scandaleux, mais ridicule qu'il fasse de la politique et pas de la littérature. C'est pas de la littérature d'ailleurs, c'est de la propagande. Moi je suis tout à fait d'accord, je trouve qu'il y a vraiment d'autres choses à reprocher au gouvernement. Tous les ministres, que ce soit Langue, que ce soit Bayrou, Arlet, c'est ça, vraiment. Alors voyez, pour une fois, voyez comment vous êtes. Pour une fois que je défends un ministre de droite, on appelle le chien. Vous défendez le ministre le plus à gauche du gouvernement de droite. Je vous signale qu'il était à gauche avant Luc Ferry. Bah, il ne l'est plus. Autre photo, celle publiée par le journal Métro, à propos de la réouverture des pelouses, de nouveau accessibles au public, dit le journal. Et franchement, la photo de la jeune fille qu'il nous montre devant l'Arc de Triomphe, c'est peut-être un peu... Non, c'est l'Arc de Triomphe, mais forcément, il vient d'avoir une érection. Et voilà. Ah, j'étais sûr qu'il venait de plonger. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Moi, je le savais, moi, je n'ai rien dit. Ah, pour plonger, Péricochin, vous êtes la première. Oui, mais cela dit, heureusement que je suis là, sinon tu n'aurais pas pu rebondir. Ben oui, il faut toujours... Non, rien. Allez, on termine par une photo du porte-avions Clémenceau, qui, vous savez, a été vendu à la ferraille. On en a parlé d'ailleurs déjà hier. C'est un peu triste, évidemment, pour ceux qui aimaient ce fleuron de la marine française. Mais un auditeur m'a envoyé une blague qui m'a bien fait rire, alors je vous la soumets. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire du Clémenceau plutôt que de le vendre aux enchères à la ferraille? Eh bien, on aurait dû en faire une prison, puisqu'il y a déjà une piste pour les hélicoptères. Hier est sorti À la vie. À la vie. C'est le premier album de Saya, la petite nouvelle dans le paysage du R&B, rhythm and blues, soul, groovy français. J'ai bien dit, hein? Ouais. Enfin, je dis nouvelle, pas tout à fait. Elle a quand même vendu plus de 200 000 singles avec son titre Tournée des pages. C'était l'été dernier, un duo avec le rappeur Passy. Son dernier tube, c'est une reprise de la chanson du groupe espagnol Mecano, Une femme avec une femme. Alors au départ, cette chanson, c'était pas vraiment du R&B, mais elle a réussi à faire que ça en devienne. Alors pour tester ensemble l'album À la vie, accueillons tout de suite Saya. Bonsoir, bienvenue. Quel accueil! Bah oui. Les jeunes vous adorent. Apparemment, oui. Apparemment, grâce à ce tube de l'été dernier, oui. Voilà, qui vous a donné et vous a permis de faire cet album. Oui. Album solo, cette fois. Oui. Alors, curiosité, évidemment, sur cet album. Le premier single qui fait un carton. Il faut dire que cette chanson avait été un tube il y a un peu plus de 10 ans déjà, chantée par Mecano, Une femme avec une femme. Pourquoi avez repris et choisi cette chanson? Tout simplement parce que c'était un coup de cœur. Bon. Extrait du clip, regardez, on en parle après. Alors, dans la rue, elle le déguise en amitié. Une tête, Dieu sait mal agir. Et l'autre dit qu'il vaut mieux laisser dire ce qu'ils en pensent. Prendre ce succès de la chanteuse du groupe Mecano, il fallait une sacrée jolie voix, parce qu'elle avait une sacrée jolie voix, et vous avez, je dois le dire, une sacrée jolie voix, vous aussi. Merci beaucoup. Donc vous avez bien fait. Isabelle Alonso, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'adore, évidemment. Tout ce qui vient de Mecano, forcément, j'adore. Alors, en ce qui concerne Saya, c'est marrant parce que c'est
Maintenant, pour qu'un truc ait l'air moderne, il faut que l'accent tonique, l'accent soit déplacé. Par exemple, avant, on disait « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. » Et si on veut que ça fasse moderne, il faut dire « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. » C'est vrai ? C'est bien, bien noté, bravo Isabelle. Dans ce qu'a dit Isabelle Allongeau, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'au départ, quand on est chanteuse dans ce milieu du R&B, on dit, c'est pas une chanteuse, c'est une choriste. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre les filles derrière les chanteurs et puis qu'elles font ah ah et voilà. Et s'imposer comme chanteuse solo, c'est pas facile. C'est pas facile, mais bon, après, je pense que voilà. Avec du travail. Mais vous avez été choriste vous-même avant. J'ai été choriste, oui. Avec Pierre-Paul Jacques, entre autres. Pierre-Paul Jacques. Oui. Chacun son truc. Et alors, il faisait tourner ? Non. Claude Sarraute, vous avez écouté Saya ? Oui, j'ai écouté Saya. Et j'ai trouvé ça très bien. Ça y est. Évidemment. Non, non, mais tu es adorable et tu as une jolie voix et les chansons sont très bonnes. Mais tu vois, je blufferais si je pouvais te dire que je distingue le hot du... Du hip, du R&B. Perry Cochard. Moi, j'ai trouvé que c'était des sons qui étaient déjà... auxquels on était déjà habitués. Et j'aime beaucoup. De bout en bout, j'ai trouvé ça... Ce qui est drôle avec Perry, c'est qu'on ne sait jamais où elle va. C'est-à-dire que ça démarre très mal, ça finit finalement très bien. Bah oui, c'est agréable. Il n'y a pas une petite nuance, une petite critique que tu voudrais faire? Eh bien, non. Imagine-toi que non, j'ai trouvé ça... C'est-à-dire que vous avez essayé de mettre un peu tous les genres, je crois, sur cet album. Bah oui, il fallait un peu tout et faire plaisir au public, surtout. S'il y a quelqu'un, évidemment, dans la bande qui connaît mieux Saya que nous, c'est forcément Stevie qui est de la génération R&B. Bah oui, je l'ai connu en duo avec Passy, etc. C'est vrai qu'elle a une voix qui est vachement agréable, quoi, il n'y a pas à dire. Et puis elle est gentille, quoi. C'est dans les interviews, c'est partout. Elle est toujours vachement timide, elle est vachement attendrissante. Et puis son album, pareil, tout le monde la connaît et tout le monde l'apprécie. Parfait. Arnaud Gidoin. Moi aussi, j'ai vraiment... Alors moi, j'ai adoré... Il y a eu Saïe avec Claude Sarraute. Vous, c'est Saïe. Lui, c'est plutôt Saïe, on le surnomme dans le métier. D'accord. Donc moi, j'ai adoré la reprise de Une femme avec une femme, du groupe Mécano. C'est vraiment... En plus, vous avez presque la même tonalité que la chanteuse. C'est vraiment très étonnant. Elle a essayé, d'ailleurs, excusez-moi, de chanter en solo aussi. Ça a moins marché quand elle était dans le groupe Mécano. Il y a eu un album d'elle solo. En effet, oui. Mais justement, on prévoit de faire Une femme avec une femme en espagnol. Elle a dit oui, apparemment. En duo ? Ah, super. Bon, vous savez qu'on ne peut pas vous laisser partir sans que vous nous fredonniez quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui demander? Vous avez envie de quoi, les copains? Qu'est-ce qu'on lui demande à Saya? Une femme avec une femme a cappella. Une femme avec une femme a cappella, c'est possible, ça? Bah oui. Allez, on encourage Saya. Deux femmes qui se tiennent la main, ça n'a rien qui peut gêner la morale. Là où le doute s'installe, c'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seules, comme elles n'ont rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste. Ouais. Vous êtes craquante. Vraiment. J'imagine que votre famille, là-bas, en Martinique, vous dites, ah ouais, elle est bonne, c'est à nous, c'est notre famille. Oui, bah il y a maman qui est juste là. C'est vrai, elle est là. Oui. Ah, c'est pas que sa famille, nous aussi on trouve qu'elle est bonne. Moi, ça va donner la chair mais ça de fait poule. Plaisir à la famille là-bas, vous imaginez un peu. Saya, oui, c'est... Non, mais elle est craquante, cette jeune fille, je trouve, franchement. Saya, le single, c'est Une femme avec une femme. L'album s'appelle À laver. Est-ce qu'il y a une scène de prévue bientôt? On va voir quelqu'un. On travaille, oui, effectivement, là-dessus. Bon, bah vous nous direz, on viendra vous voir. Je vous dirai. Oui. Merci, Saya. Merci beaucoup. Autre sujet. Yannick Guillot est maire de Saint-Ouen-en-Brie, une petite commune de Seine-et-Marne, a priori sans histoire. Et pourtant, depuis quelques jours, on parle beaucoup de lui et de sa ville. En effet, agacé par quelques sauvageons, quelques jeunes voyous, on va dire, qui sèment la panique dans le village, il a menacé de dresser une liste de ces jeunes avec leur nom, prénom, adresse, ainsi que la mention des trafics divers auxquels certains se livrent. Il avait aussi pensé faire un jeu de cartes, mais les Américains lui ont piqué son idée. Dan Bolander,
qui lui a passé l'âge d'être délinquant, a d'abord testé pour nous dénoncer les sauvageons. Regardez cette caméra cachée par Frédéric Gilbert. Bonjour, ici Dan Bollander, j'ai testé dénoncer les sauvageons. Excusez-moi, je ne suis pas un sauvageon, je suis un délinquant. Oh, tu restes tranquille. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Oui. Dites-moi, j'ai ici des portraits robots. Oui. Est-ce que vous pouvez jeter un œil dessus? Oui, bien sûr. En fait, il s'agit de sauvageons, c'est-à-dire des jeunes délinquants en fait. Mmh. Oui, parce qu'ils font du bruit avec leur mobylette, ils dérangent les habitants des communes. Est-ce que vous les avez déjà vus traîner dans le coin? Je sais pas, celui-là, il m'est plus... C'est pas un visage un peu plus familier. Ah d'accord, celui-ci, vous l'avez déjà vu. Ça me dit quelque chose, cette tête. Ça vous dit quelque chose, vous? Il y en a un qui a à peu près la même coiffure que le mec... Celui-là, là. Ah oui, lui. Ah bon? Et il a une petite amie, oui. Bon, je vais te dire honnêtement, c'est pas une sauvageonne, mais c'est une gamine qui est très effrontée. Oui, elle mérite d'avoir sa photo exposée à la mairie. Voilà. Vous êtes d'accord avec ce type de procédé? Ah oui. Ah, moi, je suis entièrement d'accord. De toute façon, je vais vous dire honnêtement, c'est arrivé une fois. Des gens qui ont fait le bazar, là, avec une voiture... On en a arrêté un il y a quelques jours, qui, justement, serait passé par là il y a un an. Alors, c'est peut-être lui. C'est peut-être ça. Il faut lui demander. Donc, vous êtes déjà venu ici? On est venu l'an dernier, quoi. L'année dernière. Il y a un an. D'accord, vous avez foutu les poubelles en l'air à côté. Ouais, enfin, on a un peu chahuté, quoi. Quelqu'un s'est sorti qu'un fusil, là, aussi. Ouais, on a eu peur, ce jour-là. Ah, c'est moi. Vous. En tout cas, c'était pas méchant, quoi. C'était pour rigoler. Il y a d'autres jeux. Bon, j'ai expliqué à madame qu'il y aura votre photo et votre nom affiché dans votre mairie. Vous voyez ? Si. Comme ça, tout le monde sera au courant que vous êtes un jeune délinquant. Ah oui, oui. Ah ben ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Sale bonhomme, oh, quel sale personne. Un monstre en somme, ce sale bonhomme. Bonjour, madame. Gendarmerie nationale, nous venons de Melun. J'ai ici des portraits robots de sauvageons qui troublent l'ordre public et qui circulent dans le secteur. Est-ce que vous avez déjà vu un de ces visages? Oui, peut-être, ça me dit quelque chose. Il y a un jeune à Mormant, peut-être. Ils habitaient avant, au feu à droite, à Mormant. Non, parce qu'en fait, ce sont des sauvageons. Les maires ont eu l'idée de ficher leurs photos dans les mairies, avec leur nom. Oui. Oui, en fait, c'est pour les punir. C'est bien, mais c'est pas assez. Parce que dans les mairies, tout le monde n'y va pas forcément. Moi, j'afficherais ça encore plus sur la voie publique, quoi, je veux dire. Sur la voie publique, hein. Ah, complètement. Dans les magasins. Mairies. Ouais, dans les magasins, où on va le plus couramment, à savoir le boulanger, les supermarchés. Les arrêts de bus, par exemple. Ouais, carrément. Je veux dire, faire une affiche, voilà, ces gens-là enquiquinent le monde. Si vous êtes ennuyé, n'hésitez pas à contacter la police. Nous les connaissons, nous allons sévir. Moi, ça me semble, ça va être plus fort comme impact. Dan Bollander. On va tout de suite interviewer le maire de Saint-Ouen-en-Brie, en Seine-et-Marne, qui a pris cette initiative parce qu'il trouve que les habitants de son village sont trop gênés par des jeunes qui commettent des incivilités. C'est le mot qu'on emploie maintenant. Voici monsieur Yannick Guillot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici surtout pour faire une mise au point, si j'ai bien compris, parce que les médias, évidemment, se sont empressés de mettre en avant une des mesures que vous préconisiez, qui était la mesure ultime de lutte contre les jeunes délinquants de votre village. Tout à fait. Je résume bien la situation. Tout à fait. Parce qu'au départ, vous dites, moi, ma démarche, c'est d'abord, un, il faut prévenir les parents. Oui. Qu'est-ce qu'on dit aux parents alors? Déjà, la première démarche, et même avant d'aller voir des parents, il faut voir que tout ça, ça débouche parce qu'il y a avant eu déjà une concertation avec les jeunes eux-mêmes. Ouais. Donc après, ce qui est un petit peu désolant, disons, de la part de certains médias, c'est qu'on retient une demi-ligne sur un courrier de 4 pages qui a été envoyé à chaque famille du village pour un petit peu essayer de faire prendre conscience, que ce soit aux adolescents ou aux parents, de certains problèmes qui étaient générés. Combien il y a d'habitants dans votre village? On est 800-840. Et combien il y a de jeunes qui, entre guillemets, comme vous le dites, je crois, emmerdent le monde? Il y en a 3 principaux et puis 3 qui se greffent autour, quoi. Est-ce qu'on peut tout de suite aller à l'essentiel? Moi, j'ai lu, non pas seulement les quelques lignes, mais les 5 pages, car en fait, il y avait 5 pages. Tout à fait. Et je pense, pour qu'on puisse parler du fond du sujet, que votre lettre était, je vous le dis franchement, une vraie connerie. C'est-à-dire qu'elle était incroyablement passionnée, elle utilise des termes que je trouve très violents, limite ordurier, elle reprend parfois les termes des injures, mais par moments ça devient très dur. Je vous assure que vous avez fait une vraie connerie d'utiliser des termes aussi vifs, aussi désagréables pour 3 ou 6 jeunes emmerdeurs. J'avais déjà fait une lettre de mise au point l'année dernière, disons, à tous les gens du village, parce que c'est un petit village, on peut se permettre de communiquer avec tout le monde, où justement j'avais rappelé un petit peu aux parents leurs prérogatives d'éducateurs, qu'ils ont un petit peu tendance à oublier de temps en temps.
Les troubles ont recommencé cette année avec les beaux jours, ce qui est la logique. Or, il se trouve que récemment, nous avions un conseil municipal et il y a certains habitants du village qui sont nous interpeller et justement nous faire part de leur exaspération et nous dire que s'il n'y avait pas quelque chose qui se produisait, là, justement, il allait y avoir des ennuis avec quelqu'un qui va sortir avec un bat de baseball ou un manche de pioche et qui va en éclater un. Alors, la manifestation aussi des gens, c'est de dire qu'est-ce que vous pouvez faire, vous aussi, en tant que mairie, parce qu'on en a marre aussi de recueillir des moyens qui sont du tout répressifs. Par exemple, c'est anormal de déranger, par exemple, les brigades de gendarmerie qui ont vraiment mais autre chose à faire de plus important dans le coin pour venir sur le village pour calmer trois imbéciles. Qui traitent de salopes les habitants. Voilà, hein, exactement. Alors que si justement, les gens qui en sont quand même responsables... Enfin, si elle est vraiment salope, c'est normal qu'on lui dise. Terrible. Justement, ça... Ça, c'est un point aussi qui est très intéressant. C'est vrai que la lettre, elle a eu aussi le mérite de provoquer des discussions dans les familles, de provoquer des discussions auprès des ados. Or, depuis un petit peu cette médiatisation, il y a des jeunes qui viennent spontanément nous voir en mairie et des gens qui les côtoient justement et dire mais pourquoi ça a été, pourquoi vous êtes allés jusque là. Et c'est vrai que de temps en temps aussi ça fait pas de mal et c'est dommage que nous à la limite, moi il y a des fois j'ai l'impression qu'on est obligé en tant qu'élu de se substituer aux parents, mais je suis désolé, moi je suis d'une génération qui est très libre, mais une gamine de 13 ans qui est dehors à minuit et qui accepte de se faire traiter toute la soirée de pute et de salope parce que c'est ça qu'on entend, et il y a des termes quand on qualifie sa mère, je veux dire quand on dit à sa mère les termes que j'ai mis dans la lettre, que je ne vais pas dire ici à la télé, je veux dire, ça a été un catalyseur. Et c'est vrai, il y a des mères qui ont parlé avec leurs filles en disant, mais attends, c'est comme ça, moi, qu'on me commande à l'abribus quand tu y es, et tu l'acceptes. Alors, on va laisser parler un peu tous mes petits camarades. Isabelle Alonso. Alors, il y a une chose qui me fait sourire pour commencer, c'est juste un petit clin d'œil. Hein. C'est qu'il y a eu une époque où les barbus à cheveux longs, c'était ceux-là qui étaient considérés comme des voyous. C'est tout marrant, non, les choses évoluent. Mais tout à fait. Et puis, deuxième chose, c'est tout à fait perturbant de voir qu'une demi-douzaine d'individus dans une communauté de 800 personnes arrivent à avoir une telle influence. C'est vraiment symptomatique d'un gros malaise, parce que quand les gens de 13 à 18 ans sont dans cet état de déréliction, évidemment que la responsabilité incombe aux adultes chargés de leur éducation. Mais c'est quand même important de savoir que sur tout le territoire aujourd'hui, même dans les petits villages, il y a ce problème avec une fraction de la génération très jeune qui échappe à tout contrôle. Et ça procède aussi, ce que nous on note au quotidien, c'est qu'on assiste finalement, nous dans nos petits villages, à un mimétisme des phénomènes de société des zones urbaines. Le côté incivilité, le combat tout de suite, oui, pourquoi? Justement pour que ça ne devienne jamais la délinquance. Parce que je pense que si, à cet âge-là, on laisse croire qu'il y a une impunité sur l'incivilité, après, pourquoi ne pas passer au stade suivant? Nous, on se bat actuellement pour réussir, par exemple, à faire un centre de loisirs de façon à pouvoir commencer à faire de l'accueil des petits. Pourquoi? Parce que les petits, si on les laisse dans la rue à côtoyer ceux-là, on va les retrouver dans 3, 4 ans, 5 ans à faire les mêmes âneries que ceux qu'on a actuellement. Péri. Alors, moi, je soutiens complètement votre démarche. Merci. Par contre, où est la limite entre ça et le délit de sale gueule? Vous croyez que dans le village, où tout le monde se connaît, que les trois enquiquineurs, tout le monde ne les connaît pas? Je veux dire, la liste, il n'y a pas besoin de l'adresser, tout le monde la connaît. Par contre, ça a provoqué éventuellement une réaction du côté des familles, que ça peut gêner, dans ce cas-là, finalement, le nom de famille, quand même, on est gêné quand il est mis en porte-à-faux. C'est illégal, monsieur le maire. Vous respectez, eux ne respectent pas la loi lorsqu'ils font des trafics ou insultes. C'est illégal. Vous avez réussi une chose qu'il faut quand même dire aux téléspectateurs, c'est à vous mettre à dos tous les syndicats de magistrats. Et même les syndicats les plus à droite qui disent cette chose toute simple. Je suis content. Vous n'avez pas le droit d'être un justicier. Respectons la loi de votre côté. Écoutez, alors là, je suis très content. Monsieur le maire a ses dossiers. Je suis très content parce que, justement, j'ai lu la réponse des personnes du syndicat de la magistrature. Je ne leur fais pour l'instant aucun grief, dans le sens que je ne sais pas dans quelles conditions leur a été posée la question. C'est vrai que s'ils ont été interpellés dans un couloir en disant « Monsieur le juge ou monsieur l'avocat, il y a un maire qui veut faire la liste noire des délinquants dans sa commune, qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est vrai que si le sujet a été présenté comme ça, c'est évident que moi, le premier, je dirais « c'est scandaleux ». D'accord ? Par contre, c'est vrai qu'il y en a qui, s'ils n'ont pas eu les éléments et qu'ils ont répondu ce qu'ils ont répondu, moi, je voudrais leur dire la chose suivante. Il y a quelqu'un qui termine son commentaire en disant « des incivilités qui peuvent très bien se régler par d'autres moyens ». Lesquels ? Alors justement, je leur ai demandé « auriez-vous l'obligeance de m'indiquer ces moyens par retour afin qu'avec empressement, je puisse les mettre en application et ainsi ne pas être obligé d'appliquer une solution marginale ?» Bah oui. Alors si les gens de la magistrature, ils peuvent venir à Saint-Ouen-en-Brie, mais alors à la limite, je veux dire, on a une chambre d'hôte, je leur paye des places, ils restent plusieurs jours et ils me donnent leur solution.
Stevie qui m'a pas parlé. Chez nous, au Mans-ci, j'habitais dans un quartier où il y avait quelques problèmes. Mmh. Et la mairie a payé quelqu'un pour venir voir les jeunes, pour leur demander, les aider. Cet homme-là, il avait un petit budget, il faisait des choses, des repas, des barbecues, des machins. Et pourquoi vous faites pas des choses comme ça? Pourquoi je fais pas? Vous voulez une explication tout simple? Par exemple, nous, on avait un projet qui était basé sur un emploi jeune. Les emplois jeunes viennent d'être supprimés. Alors, il faut maintenant qu'on monte un autre dossier. Bon. Bah oui, mais je suis désolé. Je veux dire, on a travaillé dessus déjà. Voilà. On découvre pas ça du jour au lendemain. Je veux dire, c'est quelque chose aussi. Il n'y a pas des emplois jeunes dans la vie. Vous pouvez faire un CDD d'un an à quelqu'un pour un éducateur. On n'est pas sûr qu'il continue là. Je suis désolé. Moi, je suis gestionnaire de ma commune. Mais attendez, mais moi, si demain je pouvais embaucher 6 éducateurs de rue, monter un centre aéré et leur construire un cinéma, mais je le fais dans la foulée. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il est bien ce maire, on supprime, vous avez raison, les éducateurs de rue, on supprime les emplois jeunes, on supprime toutes ces fonctions intermédiaires et après on dit, ah, effectivement, on ne sait pas quoi faire. Vous avez tout à fait raison. Ouais. J'aimerais bien justement par rapport à tout ça aussi insister sur quelque chose. Si on peut encore parler de responsabilité parentale, de parler éventuellement de valeurs citoyennes, de parler de politesse et de ce genre de choses, sans tout de suite se faire taxer de gros fachos, peut-être que ça ira beaucoup mieux aussi dans certains endroits. Vous avez raison. Je crois que ce sera le mot de la fin. Vous êtes expliqué, on va laisser du temps, j'espère. Yannick Guillot, bah j'espère que ça va mieux se passer à Saint-Ouen-en-Brie. Puis, voilà, mais j'ai confiance, il n'y a aucun souci. Les jeunes qui peut-être vous regardent ce soir, non, ils sont sous l'abribus à cette heure-ci. Peut-être pas. Bah, j'espère qu'ils vont comprendre qu'effectivement, emmerder la vie des autres, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile dans la vie et qu'essayer d'améliorer sa vie à soi, c'est peut-être ça à quoi il faut penser d'abord. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie. Bonsoir. Autre sujet. Cette année encore, la prévention routière lance l'opération Capitaine de soirée. Le principe est simple, il s'agit de recruter des jeunes entre 18 et 24 ans qui s'engagent lors de leur sortie en discothèque à ne pas boire et à raccompagner en voiture leurs copains. Oui, l'opération aura lieu dans 70 départements en France et le grand paradoxe, c'est que pour une fois, ces capitaines n'auront pas la barre à la fin de la soirée. Arnaud Gidouin n'a pas eu besoin de ramer, il a testé pour nous être capitaine de soirée. Il a fait ça hier soir, une caméra cachée par Benoît Cressan. Regardez. Bonjour, Arnaud Gidouin. J'ai testé pour vous, capitaine de soirée. Je suis quick. Je vois pas. Je te ramène chez toi. Qu'est-ce que tu veux savoir, mon chéri? Je suis capitaine de soirée. Oui, je vois bien, oui. Et en fait, si vous êtes trop... si vous avez trop bu... Oui. Je peux vous ramener en voiture. Vous avez bu ce soir, par exemple? Oui, bien sûr, comme d'habitude. Et toi, j'ai l'impression que tu as quand même un peu bu, toi aussi. Non, non. La voiture, c'est une limousine. Non, mais c'est qui conduit ce machin, là? C'est moi. C'est moi, j'ai la clé. Ah, je rêve de monter là-dedans. Bah ouais, mais faut vraiment que tu sois bourré, hein, pour monter. Ah, mais je suis complètement bourré, là, ça se voit pas. C'est la sécurité routière. Je ne bois pas, je te ramène chez toi. Et vous boivez pas? Moi? Moi je bois pas. J'ai fait... Est-ce que c'est toi qui aimes les gens ou bien les gens qui vous amenez? Ah non, c'est moi qui conduis, c'est moi qui conduis. Tu conduis toi la voiture? Ouais, c'est moi. Mais attention. Oh là 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 là, quelle soirée! Oh oh oh! Qu'est-ce qu'on a rigolé? On a dansé, on a chanté. Allez, 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 allez! C'est pour la sécurité routière. Ouais, je suis capitaine de soirée. Et alors? En fait, c'est que si t'as trop bu, je peux te ramener en voiture. Ah ouais, non, c'est gentil, c'est super. Mais non. T'as bu ou pas? Ouais, j'ai bu, mais je suis pas très loin. Je peux goûter ou pas? Bien sûr. Merci, attends. Hey, il est encore plus bourré que les mecs qui m'ont ramené, lui. Je suis capitaine de soirée. Et si t'as bu, je peux te ramener. D'accord. C'est toi qui conduis ou c'est moi? C'est moi qui conduis. Il faut bien sûr que tu aies un taux d'alcoolémie qui soit supérieur à... Au tien? Non, à 2 grammes. Et t'en as combien à toi? Non, mais... Au moins 4? Non, parce qu'en fait on fait un truc pour la... Tu vois, c'est pour la sécurité routière. Même j'ai la mienne, je vais prendre la mienne je crois que... Ah, oui. Là, j'ai fais gaffe. Ouais, tu fais vraiment attention, mais toi, prends pas la tienne. Hein. Ça, c'est clair. Capitaine soirée. Bravo, Arnaud Gidouin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette
Initiative capitaine de soirée. Moi, je trouve une très bonne idée. Celui qui ne boit pas se voit bénéficier d'une entrée gratuite et de deux boissons gratuites non alcoolisées. Oui, plus, c'est ça qu'il faut préciser. En plus, il peut participer à un tirage au sort. Vous avez terminé par non alcoolisé. Celui qui ne boit pas, il a le droit à une entrée gratuite. On va tout de suite aborder ce sujet avec des personnes concernées. D'abord, un étudiant, capitaine de soirée. Ah, il a déjà accepté ce rôle, accompagné par sa petite amie, que je crois qu'il a incité, elle aussi, à ne plus boire, ou en tout cas à moins boire, et aussi une des organisatrices de cette opération. Voici Gabriel Sixto, Lucie Malabet et Sophie Decroix. Bonjour. 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 Alors, vous êtes les jeunes qui avez accepté de participer à cette opération, et c'est vous le garçon. Putain, je vois le bracelet, alors ça c'est le bracelet du capitaine. Voilà, alors, voilà ça c'est ça. C'est le capitaine de soirée doit porter ce bracelet, donc quand ensuite il arrive devant le bar, on lui offre des boissons gratuites. Mais ça c'est seulement combien de fois par an? Parce que c'est pas à chaque fois, c'est pas tous les soirs qu'on a le droit à ça. C'est pas tous les soirs, c'est juste quand l'opération capitaine de soirée est organisée. Alors, les soirées généralement se passent dans deux nuits dans les discothèques, qui sont partenaires pour deux soirées. Mais c'est vrai que c'est pas un automatisme, mais on incite, nous, les discothèques, à mettre en place l'opération capitaine de soirée le plus souvent possible. Ce serait bien, de toute façon, tous les soirs. Oui. Voilà, tous les soirs. Je précise tout de suite, c'est Gabriel ton prénom, je précise voilà, tout de suite, Gabriel, que si tu veux boire ce soir, Arnaud et moi, on est tout à fait prêts à raccompagner ta copine. Ça, on a bien discuté, pas de problème. Gabriel, oui. Pourquoi vous avez dit « moi, je suis prêt à ne pas boire » Parce que vous ne buviez pas peut-être au départ. Moi, je bois pas, donc ça a été très facile. Mais donc en fait, vous avez des consos gratos dans l'affaire. Tout, en fait, c'est ça. Ouais. Tout est gagnant pour vous. Ouais, mais voilà. Mais c'est bien. C'est mais c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui ne boivent pas, moi, je les raccompagne. Finalement, ils sont peut-être dans leur lit en train de comater ou quoi que ce soit, mais ils ne vont pas tuer des gens ou quoi que ce soit. Donc c'est vous qui conduisez. Voilà. Et votre amie, alors, Lucie, elle a accepté ça comment, que son copain ne boive pas? Bah, en fait, moi, je l'accepte. Enfin, ça ne me dérange pas du tout. Elle accepte de se torcher la gueule. Non, parce que c'est très loin de moi quand même l'idée de la fille qui rentre vraiment ivre, morte. Vomir, ah non, ça c'est pas du tout moi. Est-ce que vous vous embêtez pendant ces soirées-là? Non, moi j'ai pas besoin de boire. Non, je vois pas, c'est peut-être ça le message qu'il faut faire passer. Je sais pas si tu as bien compris, mais c'est sa petite copine à côté. Donc il y a vraiment aucune raison qu'il s'embête dans une soirée. En plus. Mais un vrai problème, c'est aussi la surpopulation, d'ailleurs, à l'intérieur des voitures. Souvent, on sait qu'à l'intérieur d'une voiture à 4 ou 5 places, on rentre à 6 ou 7 le soir. Non, mais c'est vrai, sérieusement. Ah oui. La voiture est plus bourrée que les mecs qui conduisent, quoi. Non, mais c'est-à-dire que le problème... Vous avez deux phénomènes où, en fait, il y a un capitaine de soirée, il y a quelqu'un qui raccompagne, et l'autre phénomène où tout le monde, en fait, va boire... Et finalement, bah, quelqu'un devra prendre la voiture et va prendre la voiture. Alors, donc celui qui accepte, c'est là où il y a le problème. D'être capitaine, on lui donne un petit bracelet on comme celui-là. On lui donne un petit bracelet comme ça. Il a le droit, en plus, à deux consos gratuites non alcoolisées, le droit de participer à un tirage au sort où il peut éventuellement gagner une voiture ou même des chèques voyage de 1000 euros, ça c'est pas mal. Il a le droit de danser aussi avec des filles bourrées. Voilà. Ça, après, ou même des places pour assister au match de l'équipe de France de rugby. Alors là, c'est tout simple, parce que dans votre cas, à vous, bah, il y en a un dans le groupe, quand vous êtes plusieurs ou même quand vous êtes tous les deux, qui lui dit « moi, je bois pas, ça va ». Mais quand il s'agit d'un groupe, et là, vous allez me répondre, Sophie Decroix, quand il y a un groupe et qu'il faut désigner quelqu'un, qu'il n'y a personne de volontaire. Mais généralement, il y a toujours un volontaire, on espère. Il y a toujours quelqu'un qui dit « moi, je veux bien être capitaine ». Bah, quand il y a une opération capitaine de soirée, en fait, c'est des jeunes qui vont, qui vont rencontrer d'autres jeunes et qui leur donnent principalement les raisons d'être capitaine de soirée. Il faut quand même savoir que les 18-24 ans sont les plus touchés par les accidents de la route. Il y a quand même, en 2001, plus de 1500 jeunes qui sont morts dans des accidents de la route. Et du coup, quand on leur rappelle ces chiffres, l'espace d'une soirée, ils acceptent en tout cas de jouer le jeu et de s'engager à ne pas boire. Alors maintenant, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils aient ce réflexe systématiquement. On ne sait pas encore toujours comme ça. De plus en plus, il y a une véritable prise de conscience. Gérard ? Moi, je connais beaucoup de jeunes qui n'ont pas du tout envie de boire. Simplement, quand on est dans un groupe, on est un petit peu poussé à le faire. Avec cette opération ou d'autres semblables, ça déringue. Gardise aussi ceux qui ne boivent pas. C'est exactement la même chose pour la cigarette. C'est-à-dire que je trouve beaucoup plus débiles ceux qui fument des cigarettes ou ceux qui picolent trop que ceux qui ne le font pas. Donc je suis absolument pour cette initiative. Bon, voilà. Alors écoutez, parfait. Qu'est-ce qu'on est sage ce soir. C'est bizarre parce que
Je vous trouve bien consensuel sur ce sujet, alors que quand on est tous en virée, j'en vois pas qui boit pas dans la bande. Hein. Moi, non, non, mais moi, je viens en taxi. Ah, c'est moi. Ah, oui. Et je bois jamais plus de 3 coupes parce qu'au bout de la 3e, je sais plus compter. Vous ne buvez plus ? Jamais plus de 3 coupes, vous, Isabelle Alonso. Je le saurais, ça, maintenant. J'ai dit que je suis incapable de compter. Après, quand je dis toujours, j'ai bu 3 coupes. Et alors, les gens qui étaient avec moi disent 8. Ah bon? Claude? Ben moi, tu sais bien que je picole énormément, mais comme on m'a retiré mon permis de conduire il y a déjà 35 ans, je ne risque pas de tuer qui que ce soit. Vous l'avez retiré? Oui, c'est mon mari qui me l'a retiré. Allez, ce sera le mot de la fin. 600 lieux en France ont accepté cette opération. Et c'est vrai dans 70 départements de France pour l'instant, et on espère un peu plus partout, peut-être pour la 5e édition l'année prochaine. Exactement, on espère. Cette année, il y en a eu 25 000 et on espère encore plus l'année prochaine. Gabriel Sixto, Lucie Malbaie, Sophie Decroix, on vous remercie. Merci. Au revoir. Aujourd'hui est sorti sur tous les écrans de France un film très attendu. Bon voyage, le nouveau film de Jean-Paul Rapneau avec à l'affiche que des stars. Gérard Depardieu, Yvan Attal, Peter Coyote, Isabelle Adjani, Virginie Ledoyen et Grégory Dérangère, notre invité de ce soir qui fait aussi partie de ce casting de rêve, il faut bien le dire, mais qui en plus en est le personnage principal. On le connaît un peu moins, on va faire sa connaissance ce soir. En juin 40, à Bordeaux, c'est le rôle qu'il interprète là, un jeune homme est plongé dans la tourmente des débuts de la Seconde Guerre mondiale. Il est écrivain, il va nous en dire plus dans un instant. Alors pour tester ce film dont il est la vedette. Bon voyage, accueillons tout de suite celui qui s'était fait remarquer. Signons-le tout de même dans la chambre des officiers, même si c'était un peu plus difficile à reconnaître, Grégory Dérangère. Bonsoir. Bienvenue, enchanté. Ah, moi j'avais vu la chambre des officiers et c'est vrai que je... Ben non, je jouais un personnage brûlé qui avait un masque sur la tête. Voilà. Donc, Alors comment, Jean-Paul Rapneau, puisque je sais que c'est lui qui a eu l'idée de vous engager pour jouer le personnage principal de ce film, comment Rapneau a eu l'idée, en vous voyant avec une gueule cassée, de vous engager? Ben, c'était une histoire d'allure, je crois. Puis bon, je crois que la voix... Donc, vous avez vu aussi dans L'homme au masque de fer, vous étiez pas mal. Dans L'homme invisible. Alors là, on vous voit vraiment. Alors, j'espère que je ne vous fais pas injure en vous disant évidemment que vous êtes là au milieu de stars du cinéma et que vous êtes un peu moins connu. Quel effet ça fait? Oh ben c'était paniquant évidemment, mais une panique excitante. Ouais. Et en plus qui sert le film j'imagine, parce que j'ai lu que dans les différentes interviews que vous avez bien voulu accorder, vous aviez le trac un peu tout le long du film. Ah, oui, oui, et finalement oui, ce trac, j'imagine qu'il peut servir le film parce qu'il est pile poil dans l'ambiance du film, d'abord très rythmé mais où il y a un tel affolement en général en France en juin 1940 que finalement tout le monde est un peu apeuré. Oui, et surtout lui, c'est un personnage un peu paumé, là, avec cette grande actrice qu'on voit en photo, ce ministre un peu loufia, Depardieu, cette jeune étudiante qui veut sauver une eau lourde, qui peut faire une bombe, enfin, il y a tout. Virginie Ledoyen. Voilà. Et puis Yvan, le voyou, donc il est paumé là-dedans. Donc mon trac allait parfaitement avec ce que vit ce type. Ouais. On va reparler de tout ça dans un instant, mais avant, bande-annonce. Oh non, bravo! Le monde entier a les yeux fixés sur nous et je me retrouve mêlé à un crime. Justement, je pensais... Oui, quoi? Me faire arrêter. Quel prétexte? C'est une obsédie sexuelle. Non, divaguer. Vous allez être ministre de l'Intérieur. Et je vais commencer par un délit de justice. Ah, ça, mais vous savez plus ce que vous dites. La voiture est en bas, monsieur. Quel mot? Mademoiselle Camille, t'en apparaît? Qu'est-ce que tu fais? Raoul! Écoutez, mademoiselle, ça suffit. Mais il faut pas 3 heures pour rédiger un ordre de mission. Vous voulez que je vous fasse un brouillon? Professeur Kopolski, vous l'emmenez où? Au commissariat central. Vous avez un ordre écrit? Eh oui, c'est comme ça, nous sommes des hors-la-loi, mademoiselle Camille. Et vous aussi maintenant. La police. Bon voyage, un film de Rapneau. Film très attendu, je le disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que Rapneau est un des grands réalisateurs français, mais surtout il tourne pas beaucoup. Je crois qu'il a fait 7 films en tout dans sa carrière. Film attendu aussi parce que parmi les 3 derniers films, c'est aussi le retour et grand retour d'Isabelle Adjani dans une comédie, dans un film grand public. Alors, elle était comment, Isabelle Adjani, avec vous? Ah, très très bien, très très bien. Elle était très sympa avec moi. Rassurante? Ah oui, parce que le premier jour que je tournais avec elle, c'est une scène où on s'engueule dans un jardin public et je dois un peu la secouer en lui disant ses 4 vérités. Et je m'emballais un peu, j'ai dû lui faire des bleus un peu partout, je lui ai arraché de la peau et sur le tibia, mais... Aucun problème pour elle, elle m'a dit, écoute, je comprends, tu t'emballes un peu. Mais... calme-toi très, très maintenant.
Elle est très très sympa. Ouais. Très sympa. Bah écoutez, moi je vais vous confirmer, j'ai eu la chance, je peux le raconter, exceptionnelle, hier soir de prendre un café avec elle, avec Isabelle Adjani. C'est le hasard, je suis sorti de la projection, j'étais dans un restaurant, je me suis permis de lui envoyer un petit mot sur conseil de Catherine Barlin en disant que j'avais adoré. C'est pas vrai, Laurent. Si, c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Et je la remercie d'ailleurs parce qu'elle a envoyé un petit mot en disant venez prendre un café avec moi. Je suis allé prendre un café avec elle, j'ai trouvé une femme. D'une sympathie incroyable. On imagine une icône, quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas toucher. C'est une star, c'est une des rares dernières stars françaises. Et d'abord, elle est drôle. Vraiment, elle m'a beaucoup fait. Ouais, elle est marrante. Fait. Et puis là, elle avait vraiment envie de se marrer sur ce film et ça n'arrêtait pas. Ouais. Est-ce que tu as conservé ses coordonnées, s'il te plaît? Non, je n'ai pas conservé ses coordonnées, mais en tout cas, je la remercie encore d'avoir eu ce geste de m'avoir invité à sa table pour prendre un café. Ça prouve qu'elle est accessible, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Voilà. Alors, Isabelle Adjani joue non pas son propre rôle, mais elle joue une star du cinéma de l'époque, hein, il faut bien le dire. Une star qui ne pense qu'à elle. Hein, votre amour, elle s'en fout dans le film. Hein. Ah, moi, elle me brinque-balle un peu. Ouais, elle se sert de moi, elle se sert aussi du ministre. Ben, c'est une vedette, elle est belle, tout le monde l'aime. Alors, et puis, l'époque devient un peu dangereuse, donc elle veut sauver ses intérêts. Ouais. Ce qui est génial dans le film, c'est ce moment où donc, Isabelle Gianni prend un café avec Laurent Ruquier. Ça, c'est... Jaloux, espèce de jaloux. Gérard Miller, belle vue le film. Je vais essayer d'être modéré parce que j'ai trouvé tout formidable. La reconstitution historique éblouissante, vous tous les acteurs, mais c'est à pleurer tellement vous êtes bons. Qu'est-ce que l'histoire est drôle, émouvante, c'est tout le cinéma que j'aime. Et je suis vraiment content, je disais ça à Stevie avant, pour les gens de sa génération, parce qu'on a de très bons films aujourd'hui, mais on sait plus ce qu'était le cinéma qui a pu enthousiasmer des générations précédentes. Et là, on trouve vraiment un film comme qui a fait le grand cinéma. Ce film est formidable. Je suis tout à fait d'accord. Gérard, pour qu'on puisse le souligner, et même des comédiens ou des comédiennes sur lesquelles on pouvait avoir quelques réserves. Moi, je suis pas grand fan de Virginie Ledoyen, par exemple. Et je la trouve formidable dans ce film. Elle est formidable. Ça prouve que Rapneau est un grand directeur d'acteurs, parce qu'en tout cas, il arrive à obtenir de ses comédiens des choses, pour moi, que je n'avais jamais vues ailleurs. Je n'ai jamais vu la petite Virginie Ledoyen aussi bonne dans un film. Isabelle Alonso. Alors, moi, je me suis assise dans le fauteuil en me disant « conquise d'avance », si vous voulez. Alors, je ne vais pas vous dire que ça ne m'a pas plu, mais j'étais tellement dans l'attente d'un truc formidable, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses formidables, que quelque part, j'étais un tout petit peu frustrée. C'est-à-dire qu'on sait qu'il ne faut pas trop qu'on dise que exactement. C'est très bien, parce qu'après, c'est vrai, ouais. On s'attend toujours à toujours plus. Péricochin, méfiez-vous. Un peu comme Gérard, je vais essayer d'être modérée, mais pas pour les mêmes raisons, parce que lui était totalement emballé en sortant. Et moi, pas totalement emballée. Alors, je sais que c'était volontaire, cette façon de jouer de manière très théâtrale, ça m'a dérangée. Le côté Adjani qui n'arrête pas de faire ça tout le temps, comme ça, c'était pas... J'en pouvais plus. À la fin, il y a un moment où... Ça... Mais... je te jure, j'ai eu l'impression... Bon, enfin, voilà, il y a des moments où j'ai... Cherchez pas à prendre un café avec elle, hein, c'est foutu. Non, mais attends, je la trouve formidable. C'est une comédienne, mais je pense qu'on lui a demandé de jouer comme ça. Elle a joué comme ça. Mais c'est pas facile à faire. Non, mais évidemment, c'est une grande comédienne. Jamais, n'essaye même pas. Moi, je te le fais. Alors, voilà. C'est comme ça, elle est comme ça, elle est assise, elle lui demande par exemple un service ou quelque chose, et tout d'un coup, il réagit pas tout de suite, elle fait. Voilà, alors là, vous avez la différence entre Péricochin et Adjani. Ah, c'est très, très drôle. Si vous voulez. Ce qui est formidable chez Jean-Paul Rapneau, c'est qu'il donne l'opportunité à des jeunes premiers comme Grégory de prendre le haut de l'affiche à côté de stars. Et c'est bien, je trouve ça vachement bien de sa part de donner comme ça des rôles aussi importants à des jeunes comédiens. C'est quand même une aubaine pour vous. C'est, ouais, bon, j'ai un message pour Jean-Paul Rapneau. Je connais un jeune acteur qui s'appelle Stevie et qui est prêt à examiner toutes les propositions. 37 ans, c'est ça le problème avec Rapneau. Faut pas griller les étapes. Hein. Ça s'appelle Bon Voyage. Vous restez avec nous? Oui. Et puisque vous êtes là, invité d'une émission, il faut aussi apprendre un peu les plateaux télé. Oui, hein, c'est un jeu, il faut deviner. Voilà, c'est votre premier. Qui a dit quoi? C'est parti. Première déclaration. On avait certainement un bon gros chat noir sous la voiture depuis le Dakar. Là, au moins, on est sûr qu'il a bien brûlé. Vous suivez le sport? Ouais, le Dakar, pas très bien. Non. Est-ce que c'était un pilote ou justement... Un pilote, tout à fait. Connu? Il y a qui? C'est un... Rose. Johnny? C'est la photo. Un Norvégien encore. Si on les connaît ah, pas. Ah ouais. Claude? Je faisais un vœu avec...
On a dit le même mot en même temps. Alors on a fait 1, 2, 3 roses. Voilà, puis vous feriez mieux de me dire ensemble le nom de ce monsieur. Voilà. Ralph Gordon. Quoi? Ralph Gordon. Bah, comment je saurais? Stéphane Peter Hansel, que tout le monde le connaît, enfin. Moi, je connais pas. Il a raté le Dakar au dernier moment, alors qu'il était en tête, parce qu'il est tombé en panne. Et là, pareil, lors du rallye de Tunisie, sa voiture a brûlé au dernier moment, alors qu'il était en tête de la course. On ne les applaudit pas, on passe directement au quiquadiquoi suivant. Plus j'aime le vin, plus j'ai du mal à en parler. Et oui, puisque je roule sous la table. Claude Sarraute. Bonne réponse, Claude Sarraute. Eh bien, on fait le rose. Top, rose. Allez, c'est dans le milieu du cinéma aussi, je vous aide. Chabrol. Pas Chabrol, mais on est dans le milieu des réalisateurs, c'est vrai. Boringer. Pas Boringer. Quelqu'un qui était invité par Gérard Depardieu a goûté un de ses vins, entre autres. Ah. Génération Gérard Depardieu? Non, mais il a fait tourner beaucoup Gérard Depardieu. Et dans des films à succès. Quelqu'un qui a fait vraiment des comédies à succès énormes. Uri? Weber. Mais bon. Francis Weber, bravo. Grégory Desrangères. C'est Francis Weber. Idéaliste, je pensais porter des sacs de riz, je me suis retrouvé à porter des sacs Chanel. Une grande actrice, ben oui. Une grande actrice. Bientôt. Oui. Oui. Qui a bu un café avec Laurent Ruquier. Isabelle Adjani, bravo, exactement. Qui a accordé une interview exclusive à François. Le film Bon Voyage de Jean-Paul Rapneau est sur tous les écrans depuis cet après-midi. Courez-y, c'est dans les premiers jours que se décide le succès d'un film. Donc vous avez aujourd'hui et ce week-end aussi pour faire de Bon Voyage un succès. Ce serait mérité pour Isabelle Adjani, pour Depardieu, Yvan Attal et tout. Les comédiens qui font l'affiche de ce film avec vous, Grégory Desrangères, on était ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. À demain, bye bye.